Bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on vous présente 8 secrets ou alors 8 choses incroyables à savoir sur Marcel Kwitché, encore appelé Poupi, dans la vie de tous les jours. Les influenceuses camerounaises sont de plus en plus nombreuses. Entre la popularité, elle se fait de plus en plus grande à cause de la détermination des unes et des autres. Aujourd'hui, on s'intéressera à Marcel Kwitché, encore appelé Poupi. Tout le monde la connaît sous son incroyable talent dans la web-série à succès Pacne. Elle est une mère, une femme capable et forte qui se démarque de mille par son charisme, son authenticité et son originalité. Mais alors, voici les secrets qui font de sa réussite. On vous présentera dans cette vidéo l'incroyable fortune et parcours de Marcel Kwitché en vous présentant 8 choses qui vous auraient échappé sur sa vie. Voici donc pour vous ces 8 choses. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi. Ses origines. Kwitché Marcel est né en 1992 à Yaoundé d'un père ingénieur en bâtiment et d'une mère infirmière. Elle est issue d'une fratrie de 5 enfants, dont elle est la deuxième. Elle est originaire de Bamika, dans la région de l'ouest du Cameroun. Marcel fait ses études académiques dans la ville de Yaoundé, où elle obtient un diplôme universitaire en informatique. Depuis l'enfance, elle aimait faire des scènes de spectacle à l'école, elle amusait ses camarades. Elle fait ses premiers pas dans le cinéma en 2015, loin des projecteurs. Marcel est une mère d'une fille née en 2018. Sa carrière. En juillet 2017, Marcel cofonde la web-série Pacne avec Muriel Blanche qui raconte l'histoire d'une jeune fille envieuse qui emprunte des vêtements à son amie pour paraître jolie. Elle y joue le rôle de Poupi dans Pacne. C'est une web-série de comédie créée par Marcel Kwitché et Muriel Kamcheu. Le pilote a été mis en ligne sur le site YouTube en juillet 2017. Ce pilote a permis à la série d'obtenir un contrat de diffusion avec Vox Africa, chaîne locale dirigée par Roland de Camounier. La série est centrée sur deux jeunes filles, Mandefo et Poupi, qui font du commérage appelé localement Kongosa. La polémique sur sa grossesse et le papa de Lara Chloé. La comédienne et actrice camerounaise Marcel Kwitché, plus célèbre sous le nom de Poupi, a donné il y a déjà près de 2 ans naissance à une magnifique créature du nom de Lara Chloé. Une enfant qui, dès sa naissance, a toujours réussi à faire la une des magazines, déjà pour sa beauté incomparable, son charme qui ressort de l'ordinaire et avec en plus un charisme des plus nobles. Par ses atouts de charme que possède la petite Lara Chloé, la question s'est toujours posée afin de savoir qui est en réalité le papa de ce petit magnifique ange. Savoir où la petite a réussi à se doter de magnifiques yeux verts et d'un teint métis, deux solutions se présentent à nous. La première alternative, plusieurs personnes pensent qu'il s'agit de Samy Lun, de son vrai nom Fege Fefoua, Léonard, est un jeune Camerounais qui entre dans la scène artistique en 2009. Il fit son retour en 2018 avec le single « Ne me laisse pas tomber » ensuite. Elle a éteint la polémique en publiant sur sa story Snapchat des photos d'elle et d'un monsieur blanc encore d'origine inconnue avec qui elle prenait des photos intimement bizarres. On se pose la question à savoir si la photo en question n'était pas pour nous dérouter de la première alternative en tout cas. Plein de questions restent encore en suspense. Sa fortune. Elles sont nombreuses les Camerounaises qui excellent et prospèrent dans le domaine cinématographique. Si quelquefois on peut les reconnaître à travers le petit écran, il n'est pas évident d'évaluer leur avoir en ce qui concerne notre Poupi nationale, l'une des personnalités les plus influentes sur les réseaux sociaux au Cameroun, entreprenante et femme d'affaires. Grâce à plusieurs contrats de publicité à son actif, grâce à son agence MC Prod et grâce à plusieurs autres contrats avec les autres agences et les autres publicités du Cameroun, on estime sa fortune à 190 millions de francs CFA. Les raisons de sa séparation avec Muriel Blanche. Rappelons que Marcel Kwitché et Muriel Blanche étaient au tout début de leur relation des meilleurs amis du monde. Elles se suivaient partout, postaient des photos ensemble en toute situation et en tout état de choses et de causes. Bref, elles cohabitaient dans la même maison. Avec le temps, elles se sont séparées de maison à cause de leur business qui était fructueux et de leur relation qui était sans cesse grandissante. Chacune avait besoin de son intimité. Voilà alors que les internautes commence à en vouloir à Muriel Blanche et à cause d'un certain nombre de points qu'ils jugeaient négatifs, en toute sincérité, ils avaient un peu raison. Elle avait créé une marque de vêtements et avait insinué que ce n'était pas pour les pauvres. Plusieurs ont également trouvé qu'elle étouffait Marcel. Autre part, Marcel était taxé par les internautes d'être une femme sournoise qui cachait tout ce qu'elle faisait à sa meilleure amie Muriel Blanche. Bref, il y a eu un certain nombre d'événements
qui a conduit à leur séparation. Ce qu'on ignore encore de cette histoire, c'est le véritable motif de leur séparation, parce qu'elles ont préféré ne pas en parler, mais c'était déjà clair aux yeux de tous, chacun faisait son business solo, chacun se créait de nouvelles amitiés, bref, chacun était dans son game. Aujourd'hui, Marcel est de son côté avec Blanche Bailly et Muriel Blanche avec la chanteuse Mimi. Elles ne se plaignent pas, donc on n'a pas de commentaire à faire là-dessus. Les internautes critiquent la carrière de Marcel Cuétier. La comédienne et désormais femme d'affaires Marcel Cuétier ne cesse de multiplier les contrats publicitaires, mais les internautes trouvent qu'elle en fait trop et n'avance pas du tout comme ça. La Gopagne Poupi vient de confirmer les clashs sur Facebook. La Go vient d'annoncer un nouveau partenariat qu'elle a signé avec une marque de produits cosmétiques. Elle le dit ainsi, je cite, « J'ai dû prendre beaucoup de recul et finalement, c'est avec joie aujourd'hui que je vous présente la marque Yossa Skincare dont je suis l'égérie », a-t-elle écrit. Un choix qui n'a pas totalement plu à ses followers, qui trouvent que c'est un contrat de trop. Une fan répond de cette façon, je cite, « Pointe ton cachet et laisse-nous chaque jour avec les nouvelles gammes, dont tu utilises Léonore pour ton visage et les mains, et tu utilises Yossa pour le ventre et les fesses. Demain, tu vas chercher un autre produit pour les pieds. Faut respecter tes fans. C'est quelque chose d'aussi sérieux, crucial, important que la peau. Tu ne peux pas amener les gens en moins de 6 mois à changer leurs produits. Tu n'as fait aucun travail. Tu as validé ton cachet. » A-t-on pu lire sur la page de la star ainsi, plusieurs personnes pensent qu'elle a juste regardé l'aspect financier, mais pourtant, si une personne achète déjà le premier produit qu'elle avait présenté, comment brusquement changer de gamme de beauté? Une autre encore a déclaré, c'est quelle qualité de publicité ça? Est-ce que tu sais même que ta pub si est un franc pour un potentiel client de Léonore dont tu étais l'égérie? Et même si tu ne l'étais plus, il fallait au moins un intervalle de temps avant de venir nous proposer celui-ci, soyons quand même crédibles dans ce que nous faisons, a écrit une autre internaute. Au final, ce n'est pas facile pour les internautes de suivre les différents choix professionnels de Marcel Cuétier. Les reproches continuent de pleuvoir sur sa page. Ce fut d'ailleurs le même scénario lorsqu'elle a annoncé le lancement de sa web-série La Concierge, alors que son projet de web-série Les Songes de Poupi ne semblait pas avoir fait long feu après quelques épisodes. Le nombre de séries et films qu'elle a tourné comme série, Marcel Cuétier a tourné Destin irréversible de Serge Tchami, La tombe des secrets de Blaise Tonkwa, L'école enfumée de Jean de Dieu Tchénébé, Les filles de l'heure de Daniel Wafo, Secret tabou de Aïcha Carmoise, Pacne dont elle est la cofondatrice, Songe de Marcel Cuétier, La fille de Mamiton, La nouvelle épouse réalisée par Marcel Cuétier. Comme film, elle a tourné dans Aline de Muriel Blanche, Irrational Love de Chelsea Suzy, compris et distinction en 2020, la nomination à The Public Vision Award catégorie meilleur humoriste. Elle est appréciée par les stars. D'après certaines personnalités publiques du Cameroun, entre autres, Emmy Dany Basson, Moussi le charismatique, Minx, Blanche Bailly et bien d'autres encore, Marcel Cuétier serait une femme au grand cœur. Ses appréciations viennent du fait qu'elle avait apporté une aide vraiment significative à Moussi le charismatique pour l'organisation de son mariage. Nous ne savons pas véritablement ce qu'elle avait fait pour lui, mais ce que nous savons, c'est qu'il a tari d'éloges pour la belle Marcel Cuétier. Il le dit ainsi, je cite, Marcel Cuétier est l'une des meilleures personnes que j'ai eu à rencontrer dans ma vie. Elle est authentique, sincère et vraie, une femme au grand cœur qui n'hésite pas à venir en aide aux personnes dans le besoin. On a directement compris que Marcel Cuétier était une amie véritable et sincère pour Moussi le charismatique. Plusieurs stars du Cameroun ont également rejoint cette idée avec des posts positifs. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus, sinon dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois, surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications, car sur cette chaîne, on vous parle de toute l'actualité africaine, camerounaise et même d'ailleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.